Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre trois violations du secret médical qui est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire. Mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord? On me demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième, il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer de nouveaux systèmes d'information des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'un an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit 6 fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique. Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire, c'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix, les banques aussi vont refuser de vous faire les prêts, c'est ça qui est en jeu. C'est tout ça, les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants, partagez s'il vous plaît, partagez. Bonne journée à tous.